C'est mon anniversaire. C'est son anniversaire. C'est passé de ta mère. Alors, alors. Ma vie, tu sais. Je vous serais baisé. Madame, autant une star, j'ai pas de doute, autant l'actrice que j'en vois. C'est mon anniversaire. Bout de chat quoi. C'est parce que je t'aime, mais pour la jeune vie, elle souffert. Hello girl, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, du coup, ça va être l'anniversaire de ma belle-sœur. Donc, je pars en week-end. Donc, de vendredi à dimanche, on a loué une maison. J'ai trop hâte de vous montrer. Ça va être trop, trop stylé. Donc, ma belle-sœur, je vous explique. En gros, ma belle-sœur, ben, c'est aussi ma copine. Je l'appelle Madou. On s'est rencontrés bien avant que je rencontre Simon. Bref, du coup, je l'aime trop. C'est toujours ma copine et voilà, on s'entend super bien. Et là, du coup, j'étais à Paris, direction Tours. Elle va me récupérer à la gare. Et je suis maquillée comme ça parce que ce matin j'avais rendez-vous avec Achinaya et c'est ouf hein, le make-up qu'elle m'a fait là. C'est pas un délire franchement les cils. Ouais, c'est trop canon genre. C'est trop beau. Juste les fossiles là, oh là là, je peux pas. Franchement je trouve que c'est grave imposant pour un shooting photo et tout, ok, mais comme ça là, c'est trop, mais franchement le make-up il est trop trop beau. Bref, j'ai trop hâte de partager ce petit week-end avec vous. Et voilà, je vais vous partager quelques moments. J'ai posé mes gâteaux ici et le mec il est en train de les prendre en photo. MDR, j'en peux plus. Il sait pas, je l'ai cramé en train de prendre en photo mes gâteaux. Mais skin, franchement, je lui en aurais bien proposé un, hein, mais c'est pour ma belle sœur. Bon, du coup, là, on a fait une arrêt, il me reste 20 minutes. Oh là, j'ai trop hâte de la revoir, ça fait grave longtemps que je l'ai pas vue. Bah, depuis cet été. Depuis cet été, quand on est parti dans le sud, ben, je ne l'ai pas revue. Donc voilà, j'ai trop hâte. Ma vie, je galère. Ma belle-sœur, elle est pas sur le pied. Du coup, j'ai déjà descendu la valise. Regardez-moi ça. Oh purée, je suis deg. Ils sont tous cassés mes gâteaux. Du coup, je vais mettre ça là. Désolée, c'est pour l'anniversaire de ma belle-sœur. Les gâteaux comme nous. Hein. C'est très bon. Hein. C'est comme nous. Sinon, on prépare les gâteaux comme ça. Ah bon? Les macarons? C'est vous. Bonne journée, bonne soirée plutôt. Au revoir. Merci. Où elle est ma belle-sœur? Eh ben, regardez. Ça, si, toujours en mode galère. Je suis arrivée à Tours. Et du coup, j'attends ma belle-sœur. Non. Je sais pas où elle est. En plus, je suis au tout au bout du quai. J'essaie de l'appeler, mais elle répond pas. Du coup, il y a ce plateau-là. Vous avez l'autre ici et ma valise. Mais je peux pas avancer. Je suis obligée de l'attendre. En plus, je vois rien. Elle, la vie de myope, c'est un truc de fou, je ne vois rien. Moi, j'ai essayé de la rappeler. Du coup, ma belle-sœur, elle m'a dit qu'elle était dans les bouchons. Donc, j'ai posé les plateaux par terre. Ne vous inquiétez pas, ils sont très, très bien emballés. Donc, je l'attends là. Et voilà, après, ça sera parti pour la soirée. Ben voilà, c'est là que c'est son anniversaire qui arrive en retard. C'est mon chéri. Après avoir retrouvé ma belle-sœur, nous avons pris la route direction le Airbnb. Donc on en a eu pour à peu près 20-25 minutes en partant de la gare de Tours. Donc le Airbnb se situait dans un petit village. Alors je crois que je suis perdue. Ah oh. Alors dites-moi tout. Là je suis au niveau du parking, il y a un Viveco. Vous filez tout droit, vous êtes devant l'église. Vous filez devant l'église. L'église. Tout droit. Vous filez tout droit, vous tournez. Alors attendez. Après avoir cherché un petit peu le Airbnb, on l'a enfin trouvé et on a fait l'état des lieux d'entrée avec les propriétaires. Et voilà, il y a Titou qui vient d'arriver. Tu dis coucou. Coucou.
C'est ma cousine, elle a cousu la Simon, voilà, voilà. Et voilà, elle vient tout droit de... Bretagne. Bretagne, dans le fin fond de la Bretagne. Fin fond, Rennes. Mais c'est pas Rennes, Rennes. T'es pas obligé. C'est pas Rennes, Rennes. T'es là-bas, c'est Saint-Thomas du Corneau. Voilà. Bon, on peut y aller, parce que c'est un peu... C'est un peu gênant. C'est vrai qu'il dit... C'est gênant un peu. Ça s'arrête ce qu'ils ont dit. Non, j'arrête pas. Mais tu vas pas ramener la voiture ici? Pour ramener les trucs? Oui, mais je vais chercher les pizzas d'abord, parce que c'est ferme. Hein. Ah, ok, d'accord. Tu veux que je vienne? Bah, c'est comme tu veux. Pas obligé. Bah, ben, ouais, tu peux rester là. Tu veux les clés? Je te donne l'argent en liquide, alors, comme ouais, ça, on verra. Oui, mais il faut... Non, mais on va tout ensemble, on va régler ça tout ensemble, tranquillement. Parce que pas tout le monde t'a fait le virement, là? Si. Non, il manque que ça, si, mais parce que ça, si, elle m'a dit, elle me donnait... Non, moi, je lui donne pas. Moi, je suis surprise. Je suis là avec ma caméra. Ah, vous allez à pied? Bah, c'est bien ça! Vous voulez combien? J'ai pas été. Re les filles, du coup, on vient d'arriver avec Faustine. Enfin, on vient d'arriver. On est arrivé, ça fait un petit moment. Et du coup, les propriétaires, ils nous ont fait le tour de la maison. Ils nous ont tout montré. Donc là, c'est parti. Je vais vous montrer la maison avant que tout le monde n'arrive. Il y a déjà Titou qui vient d'arriver. Donc elles sont allées récupérer des pizzas. Ce soir, ça va être pizza tranquillou en mode cocooning, pyjama, jacuzzi. Franchement, la maison, elle est vraiment top. De toute façon, je vous montre ça de suite. C'est parti pour la visite de la maison. Donc là, on arrive dans la maison. Donc je vais commencer par ici, le salon. Donc là, quand vous rentrez, vous avez un petit salon, tout simplement. Franchement, c'est sympa et ça sera largement suffisant. Ensuite, juste ici, on a une cuisine qui est super grande et elle est aménagée à fond. Donc là, vous voyez, la table, elle est vraiment super grande. La cuisine, elle est vraiment complète. Franchement, elle est vraiment bien. Et en plus de ça, elle est grande. Mais juste là, il y a le jacuzzi. Donc c'est un jacuzzi chauffant avec massage. Il y a un super grand jardin juste là. Et ensuite ici, c'est plutôt pour l'été, hein. Après demain on verra s'il fait bon ou pas. Mais il y a une table, là-bas il y a une plancha et tout, franchement c'est vraiment sympa. Donc ça c'est pour le bas. Ensuite là, je vais vous montrer en haut. Donc il y a plein de chambres différentes. Donc là, voici une chambre. Donc un lit double aussi au-dessus. Là, vous avez des serviettes. Ensuite... Juste là, vous avez une autre chambre, donc un lit double, pareil. Vous avez des serviettes, des rangements juste ici. Là, nous avons une salle de bain. Donc franchement, j'aime trop les salles de bain comme ça. Elle est grave lumineuse. Franchement, elle est trop canon la salle de bain. J'aime trop les miroirs comme ça et tout. C'est trop trop canon. Donc là, oula. On a une autre chambre avec un lit double, un petit bureau. Et pareil, là, il y a les serviettes. Ensuite, juste ici, donc vous avez une petite pièce avec un lit, une place. Et là, on arrive dans la suite parentale. Il y a une douche et un lit double. Donc voilà, franchement, c'est super grand. Je sais plus c'est fait pour combien de personnes. Donc voilà les filles, je vous ai montré la maison. Franchement, elle est super sympa. Comme je vous ai dit, c'est grave cocooning. Et voilà, du coup, là, on attend que les filles elles arrivent. On va décharger la voiture. Et vous avez fait vite, hein? Bah oui, c'était un peu petit. Ah, ouais, elles ont l'air bonnes. Elles sont bonnes. Elles sont petites. Ah ouais? Ah ouais, tu vois. Bah, après, ils ont dit hein, 29 cm, sauf que nous, ça nous parlait pas, quoi. Ouais, après, c'est des pizzas. Oui, et puis je me dis, tiens, un petit morceau avec des fruits. Il y a des fruits, oui. Et des bananes. Ah, en plus, j'ai pas osé de demander. Je me suis dit, vas-y, j'arrête de demander. Et j'ai vu, t'as pris des fraises. J'ai pris fraises, melon. Mais est-ce qu'on peut boire un coup là? Non, mais faut attendre tout le monde. Mais n'importe quoi. Mais j'ai pas mis là. Dans la boîte. Voilà. Mais bien sûr, mais attends, je viens de loin. Moi, je bois un coup. Donne. Il y a encore après? Ouais, il y a aussi. Eh, t'en as fait des courses, hein, purée. Je vais reprendre tous les kilos que j'ai perdus, là. On a déchargé la voiture et on a commencé à tout ranger dans le frigo, dans les placards, etc. Voilà. Bon, j'ai envie de dire, elles avaient qu'à être à l'heure. Il est quelle heure?
21h17. Hein. Normalement, les trucs derrière, j'ai pas tardé. Ah merde! T'as eu un appel? Du coup, il y a déjà les pizzas, mais elles vont être froides. On va devoir les réchauffer, c'est sûr. Au four. Hein. Ouais. Oui. Là, on a goûté les acras, c'est super bon. On va préparer un petit peu de tout. On va mettre déjà dans des trucs ou pas? Dans les petits bols. Ouais, on va mettre dans des petits bols. Des boulinettes. Ouais, dans les bols là. Et moi, t'as l'air de t'en sortir. Voilà, il y a les copines à Faustine qui arrivent. T'as vu ça? Ah oui, pardon. Ah bah non. La caméraman est là. T'as besoin. Tu peux rentrer. Non, mais filme, je me cache à la roulette. T'as déjà ton masque? Ah oui, mais je ne sais pas comment vous Alors, vas-y, devine. Patricia. Oui, ouais, bravo. Bon, on peut devine. Ça si. Ça va? Ouya. Elles sont enfin arrivées. Non, j'ai pas souffert, tout va bien. Toi, t'es un duc bon, ça vient. Ah, moi, de ouf. Oui. Les pyjamas Victoria's Secret. Ça fait grave penser. Excusez-moi, madame. Taille S. Taille fine. Taille L. Ben, c'est pour toi. Mon Dieu. Elle fait ça bien, cousin. Taille L. Moi, je veux pas, c'est pas repasser. Ben, elle va repasser. Taille L. Ici, c'est pas repasser. Ben, il y a affaire à repasser ici. J'ai demandé. La dame, elle a dit oui. Elle prévoit tout ici, là, ici. Inch'Allah. Et voilà Rissi qui repasse. Elle repasse voilà, bien en plus, elle se donne à fond. Hein, pour Faustine. Tu veux? Non mais pour après, pour la piscine, c'est... Cathy, tu veux dire un petit mot pour Faustine? Bah franchement, ravie d'être là, ma cousine, et puis profitons de ce week-end. Que des bons week-ends. Et pour Faustine, allez, allez. 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 Jusqu'à elle lui repasse. Elle a repassé qu'un Faustine en plus. Hein. Re les filles, du coup, tout le monde est arrivé. Donc là, ce qu'on va faire, on va toutes se doucher. Donc il y a deux salles de bain. Donc on va se doucher petit à petit. On va mettre nos pyjamas. Donc comme vous l'avez vu, on a toutes pris le même pyjama chez Primark. Franchement, il a l'air trop cool. De toute façon, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et on va manger. Il est, je crois qu'il va être minuit là. On n'a toujours pas mangé. Mais bref, on va se doucher. On va se mettre à l'aise. Et après, comme ça, on va manger. Et après, go le jacuzzi. Voilà, là, il y a Rissi qui fait sa petite visite. T'as choisi ta chambre ou pas? Non, même pas. C'est que des lits de place. Il y a un lit, une place là-bas, là. Toi, t'as pris ta chambre, j'ai vu la belle tout faire. Depuis tout à l'heure, personne choisit, moi j'ai choisi. Hein. Bon, du coup, les filles, moi j'ai choisi cette chambre-là, parce que depuis tout à l'heure, je leur demande si elles ont une préférence, elles m'ont dit que non. Donc j'ai choisi cette chambre, pourquoi? Parce que ben déjà, il y a un grand miroir. Moi, je trouve quand il y a des grands miroirs comme ça dans la chambre, et voilà, franchement, je trouve qu'elle est sympa. Après, en vrai, je m'en fous, mais voilà, j'aime bien qu'il y ait le grand miroir, il y a la salle de bain juste à côté. Go à la douche, go retirer mon foulard, me démaquiller, et c'est parti, let's go! Non. Surtout dans la douche, alors ça, je vais faire le buzz là. Je vais faire le buzz, le million, le million. Elle m'a dit de profiter pour elle. Madame avec son petit cocktail. Cocktail. C'est quoi ça? Champagne. Ah ok, moi pas connaître. Certaines sont... Moi mousseline. Certaines sont au punch, d'autres sont au champagne. Ouais, musulman, pas connaître. Haram. C'est mon anniversaire. C'est son anniversaire, c'est passé de ta mère. Elle a l'air que rigoler.
Chaque clown, quoi. Non, mais excuse-moi. Bah... Là, on a une préparation de chicha professionnelle. Ah, oui, là, c'est number one, number two, number three. Ah ouais, number five. C'est du vrai taf, là. Et voilà, certaines se sont mis en maillot de bain, d'autres sont restées en pyjama. On a discuté très très tard, je vous avoue que j'étais trop fatiguée. Et ensuite, le lendemain, on a pris un super bon petit déjeuner. Donc voilà, là c'est le deuxième jour, on est samedi, donc on a pris notre petit déjeuner tranquillou comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et là du coup, on a pris notre douche, on va se préparer et direction Tours. Il fait grave beau, on va profiter de notre petite journée. À tout à l'heure. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous raconter aujourd'hui, donc on va aller se promener à Tours. Voilà. Et puis bah c'est tout. On va faire quelques courses. Ah ouais, bah y a la Sissi qui est derrière. J'avoue, c'est bien, c'est pas bien. Donc voilà. Donc je vous présente ma sœur. C'est moi. Mon ami ici. C'est moi. Voilà, on continue. Voilà. Ma belle sœur et mon amie Mélanie, enchantée. Ma cousine Christelle, aka Tritou. Ah oui, Mélanie, aka Mel. Christelle, aka Tritou, ma cousine. Pourquoi elle dit aka C'est ton surnom. Et qui Aka, en fait. Aka. Aka. Et ma cousine, Cathy. Et Cathy. On va pas dire les vérités parce que ça va. On continue. Mon amie Laetitia, et qui est Letty. Dit la terreur. La terreur. La terreur. Ah oui, la terreur. Et ma belle cousine et mon amie, Emmanuel Marie, et qui est Emma. Manouchka. Manouchka. Oui, 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 sensuel, 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 et ça, ouais. Oh là là, mais quelle beauté. Et donc, oui, Faustine et Faustine, c'est moi. Ça y est, oh là, ça y est. Oh là là, qu'est-ce que je suis jouée. Par contre, je suis blanche, hein. Enfin, c'est, là, on voit la différence. T'as vu, on prend vite la main. Je suis une future influenceuse. Regarde ça. Faut te lancer, hein. Alors, mon outfit du jour... Vous êtes la sœur de Blanc-Blanc, ouais. Ah oui, je suis la sœur de Blanc-Blanc. Belle, hein. Vous ressortez bien, là. Ouais, je trouve aussi. Ah ouais. Ah ouais. Dis-nous qu'on est jolie, ouais. Vous êtes jolie. Des gazelles au bec. Des gazelles au bec, comme ça. C'est moi, un amour, cette femme. C'est gratuit. Tu veux que tu chantes? Vas-y, dans chante. Dans la jungle, terrible jungle, le lion, il mord ce soir. Ah oui, bah ouais, ah oui, bah ouais. 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 Ah oui, bah ouais, ah oui, elle non mais moi j'ai dit viens on fait une blague, on ferme et on se cache. Hein, bon, moi, je... Tu verras la vérité. T'as peur de toi d'un coup de couteau toi. Ça c'est juste épais. On sait jamais. Du coup là on part à deux voitures, on s'en va pour Tours. Donc là-bas il y a Rissi, bonne chance. Et ici il y a Faustine donc... Moi je suis le copilote. Confiance. Et le soleil, ça fait tout. Hein. C'est vrai que ça nous illumine. Ah, mais de ouf. Il y a même pas de temps de lumière. C'est ça ? Du coup, on cherchait quoi pour manger là ? Tu as mangé quoi, toi, Titou ? Du sucré, t'as dit. Non, salé, ça me sent bien, les nems. Ah, ouais. Là, tu penses à des nems ? J'avoue, des nems. Moi, je suis pas un genre de sushi japonais, c'est pas des nems. Non, mais manger, mais il faut pas mais juste. Là, il y avait 4 nems à 4,80. Là ? Ah, oh, t'as regardé ? Ouais, t'as regardé les manches. Donc, du coup, il y a un restaurant de raciste à Tours. Ouais. Ah, ouais, mais c'est un sport. Raconte ton expérience. Dis-le tout, Emma. Elle voudrait qu'est-ce te flouter. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle souhaiterait être floutée. Tu veux cette ouais, c'est Jean-Max.
au max 48 ans, c'est que vous attendez sur commentaire anonyme. Non, bah, après, je pensais qu'elle leur avait dit bonjour, mais pas du tout. Elle a pas dit bonjour. Ils n'ont pas dit bonjour, ils les ont même pas servi, ils les ont même pas gagné. Ils ont fait passer des gens avant vous. Trois couples. Donc voilà. À un moment, stop. France, voilà, c'est la France. C'est la France, c'est la France. Messieurs, dames. Non, bah, je te jure. Transparent. Ouais, c'est bon. Ouais, non. Sérieux? En fait, on est noir, on est transparent. Ouais, mais pourtant, on se confie. Non, les gens, ils ont pas dit s'il vous plaît. Ils attendaient. Patientez, s'il vous plaît, on va vous accueillir. Nous, on était là depuis donc une fois, deux fois. J'ai dit, bah, si, nous aussi, on attend. Après, j'ai dit à l'autre, lui, non. Mais quand tu lui as dit ça, il t'a pas répondu. Non, lui, il m'a dit, oui, bah, quelqu'un va venir, hein, attendez. Ah, bon. Moi, j'ai pris Subway. Nous, on a fait le bon choix. Ils ont été très sympathiques. Et alors, moi, je vais aller prendre des nachos. C'est un peu doux parce qu'ils ont fait. Ouais, franchement, ça sera répété et amplifié. Le pâte à crêpes, à jouer les tours, à l'heure tranquille. Voilà, un samedi. Pour Lolo de pas venir. Voilà. On va au centre-ville sinon. On va au centre-ville. Ah mais on va au centre de tout. Mais pas là. Voilà, voilà. Nous sommes obligés d'aller au centre-ville. Franchement, moi je trouve que c'est grave. On est en 2022. On te chasse, c'est quoi, tu dis rien. Mais on me dit quoi? J'ai pas compris. Christelle, give me ça. Allez. Elle veut pas give me ça, hein. Elle veut pas give me ça. Cathy, give me ça. Voilà. En fait, elle lève la main. Ouais, il me faut. Après cette journée de folie, on est passé vite fait au Carrefour pour faire quelques courses. Voilà, Emma, vu l'amour que je te porte, vu les cadeaux que j'aime te faire, aujourd'hui, du serpent. La réaction d'Emma, voilà. C'est tout ce que j'ai voulu, c'est ma vie. Enfin, ça. Merci beaucoup. Et, non, ne vous inquiétez pas, vous n'auriez plus, Donc, je te les prends. Donc. Merci beaucoup. Voilà. Et voilà, elle compte bien là-bas. Alors, t'es heureuse? Je suis émue. Je suis émue, ça me touche vraiment. Je suis ravie. Je l'ai toujours voulu. Tu en rêves depuis des années. Depuis longtemps, et aujourd'hui, mon rêve devient réalité. Voilà, ben fait. Voilà, toutes mes félicitations. Merci, Cathy. Merci. Ah ben voilà ce qui se passe. C'est les aléas du direct. Hein. On n'est pas là 2 secondes. Pourquoi faire ça? Tu mets la lumière. Écrase-la. Ça va faire de l'audience. Ça sent pas bien. Oui, elle est pas dans son forme. Elle est pas dans une forme olympique. Ah oui. Allez, debout, les marathons là. Oh. Ça a l'air d'aller mieux. Ah bah voilà. Allez, let's go la maison et go la party. Arrivé à la maison, on s'est mis en pyjama et ensuite on a commencé à préparer la petite déco, donc les ballons, l'arche, etc.
Et ensuite, on a fait quelques vidéos qui vont suivre. Vous allez trop rigoler, franchement, c'était trop, 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 trop des bons moments. Tu fais trop pitié. Je vais chercher l'autre téléphone pour faire le... C'est bon, ça va? Give me some. Et ça continue de prendre des... Ah oui, c'est vrai. Là, on continue. Non, mais faut commencer. Ouais. Attention. Alors, on fait comme toi, là, c'est ça? Attention, t'es prête? Attends, mais d'abord, genre, on fait genre, on parle, non? D'accord. Allez, on danse. Mais comme la musique, alors. Ouais, c'est vrai, mais t'as... Ah, non, laisse ça. Allez, à moi, ça bouge. Et après, ça touche. I don't mean to be a pain. If it's tasty, I'ma bite it. Menina,
gostosa. Baby, we can get it now whenever. Vous l'avez vu, on a grave galéré pour faire les vidéos. Là, on va se changer, se mettre en robe et on va commencer notre petite soirée. Donc, go s'habiller et mettre une robe de soirée. Et voilà les filles, j'ai fini de me préparer. Donc, j'ai juste mon du rouge à la bouche, je refais un petit peu mes yeux. Et mis des faux cils, c'est ceux de Salima Aliani, ils sont vraiment trop bien. Je trouve que quand on met des faux cils, genre, ça change directement le regard, ça fait directement waouh. Donc, voilà, petit rouge à lèvres rouge, ma petite robe. Qui vient de chez, je sais même plus, je pense que c'est Inès Boutique, un truc comme ça, ça date un petit peu que je l'ai, mais voilà, je trouve qu'elle est assez jolie. Donc voilà, là du coup je vais vous montrer la déco du salon. Et voilà, on va se poser, rigoler, s'amuser, et voilà quoi. Bye bye. Belles, ça y est, elles sont toutes prêtes. Voilà. Faustine. Gébé, sors. T'es pas. Non, t'inquiète, on a rien vu. Je couperai au montage, t'inquiète pas. Ah oui, hein, parce que bon. Et on se photo. C'est bon. Insortable, ces femmes, hein. Eh ben, moi, c'est nos poses. Ça, c'est vraiment. Non, mais c'est vrai. Ce qui est bien, c'est que la pose, elle dure le temps de la photo. En fait, on change pas mal. Et encore. On est où à poser au lieu de faire des. Poser quoi? À poser sur la photo. Regarde, tu défiles les photos, tu verras tout à l'heure. Il y a le duo Christelle et Colette. Et après, tout de suite, on passe à celle-ci, Faustine. C'est admirable. Je vous admire, mais moi, je resterai comme je suis. Ben non, c'est rien, ça. Oui, mais en gros. Non, il faut faire moins. D'accord. Oui, moi. Parce que du coup. Voilà. Plus l'appareil se déclenche. Ça, c'est moi, le temps que l'appareil se déclenche. Normalement. Oui, mais bon. Fin de soirée. Ah, demain, mais bon, enfin, demain matin, vraiment, on verra toi. C'est pas grave. Tu vas mourir, non, non, mais. Faut faire quoi? Elle a dit la serpillière et tout. Faut faire la serpillère. Non, mais je sais pas ce que j'ai. Non, on paye des frais de ménage avec Airbnb. Moi, je suis pas d'accord pour payer. Donc, on paye la vaisselle rangée et nettoyée. Oui, madame, on paye des frais de ménage sur Airbnb. Je suis colère encore. Et croyez-moi qu'aujourd'hui, hein. Je suis colère. C'est ça d'être une star. C'est la bonne fin du week-end. Ouais. Et ouais, donc non, c'est faut juste bien ranger les. La vaisselle et aller comme ça. Fin de soirée, on remballe tout. Je vois tout ce que vous avez vu. Ici, elle pète les ballons. Laetitia, elle ramasse les ballons. Regardez les filles, on a tout nettoyé. Franchement, on a tout bien remis. Tout est nickel. Regardez-moi ça. Tout est nickel. Franchement, quand on s'entraide, hein, c'est un truc de fou. Belle fois. Belle. Ah, j'adore voir, faut qu'on parle. Je t'ai dit ça. T'as encore un jour. On a besoin de toi. Je suis à Jumpbox. Juste merci de nous avoir réunis. Ouais. Voilà. J'étais en train de dire merci à Faustine et aux nouvelles rencontres. Et je disais longue vie à nous. Longue vie à nous. Longue vie à nous. Hé hé. Faut boire un petit peu une goutte. C'est quoi dedans? C'est shampoing. Ouais, ouais. Et moi je vous dis merci aussi parce que merci d'être venu. C'était trop bien. Non, c'était pourri en fait. Normalement, qu'on se le dit. Ouais, non, mais c'était éclaté. Je m'attendais à ce que ce soit. Hein, voilà. Je m'attendais à ce que ce soit comme ça. Ah, je suis sûre que ça allait être comme ça. Éclaté au sol. Non. Mais vu le progrès, tu ne pouvais pas être éclaté au sol. Ce que tu sais pas, c'est
c'est que tout à l'heure... Qui a fait le programme? Qui a fait le programme? Ouais. On a fait un programme. Ouais. Elle fait mon padrice, c'est pas moi. Ça, c'est pas vraiment moi. Bien sûr. Je sais que tu m'en fous. Même si tu mens pas, je m'en fous, moi j'ai aimé. C'est ça. Non, si c'était nous. Et voilà, go dodo, on a subi le changement d'heure, donc on avait une heure en moins pour dodo le lendemain. On a préparé un petit déjeuner. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Faustine, joyeux anniversaire. Quoi d'avoir 28 ans? Ouais. Et eh ben franchement, rien du tout. T'as 28 ans? Ouais, mais non. Là, pour le coup, ça, peut-être dans 2 ans, mais là, moi, je prends de l'âge. C'est comme le bonbon, je m'améliore. Oh! Ouais, ouais, ouais. 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 Oh, oui, moi, oui. C'est ce que je me dis, de toute façon, j'ai pas intérêt à me tirer. T'as pas le choix, là. Après avoir soufflé les bougies, on a pris un super bon petit déjeuner. Les macarons étaient trop trop bons. Je vous mettrai le nom en barre d'infos. Et ensuite, Faustine m'a déposé à la gare. Franchement, j'étais trop dégoûtée de partir. Mais bon, ce n'est que partir. Les filles, le week-end touche à sa fin. Faustine, elle m'a déposé. Go to Paris. En tout cas, c'était trop trop cool. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Bye bye! Un, deux, trois.